Hello tout le monde, c'est Kairos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche, la patate. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire la taverne de Mo. Donc après la maison des Simpsons qui a été faite en tuto sur ma chaîne, donc elle est toujours disponible bien entendu. Nous allons continuer un petit peu sur les Simpsons avant d'enchaîner par Tilted Tower, la ville de Fortnite tout simplement. Et du coup, j'ai décidé de faire la taverne de Mo, et puis pourquoi pas faire une troisième, quatrième, cinquième vidéo sur les Simpsons si celle-ci marche autant que la première. Donc dans un premier temps, nous allons prendre de la terre cuite blanche, et on ne va pas perdre de temps, on va faire un petit truc qui va aller vachement vite. Donc là déjà, vous allez me faire une profondeur de 21, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 par 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et puis on termine, hop, comme ceci. On va refermer de façon à ce que ça forme une espèce de carré rectangle. Hop, ici et ici. Tac. Une fois que ceci est fait, on le monte sur 8 de haut, donc 4, 5, 6, 7 et 8. Et à partir de ceci, on va faire tout le tour sur 8 de haut, tout simplement, afin de former une grosse box entre guillemets. Parfait, donc une fois qu'on a notre espèce de boîte à chaussures, j'aime bien appeler ça comme ça. On va prendre tout simplement cette fois-ci de la laine violette et puis nous allons commencer à partir, vous voyez là on va faire les espèces de barreaux qu'il y a dans la taverne, sur la taverne. Donc là on va commencer à 4 de haut, tac tac tac, hop, au cinquième on casse et on va poser toute notre lignée, hop, comme ceci, parfait, de laine violette, voilà. Donc là, hop, tout est bien. Et ensuite, nous avons une porte en plein milieu. Donc, hop, vous allez vraiment en plein milieu de votre bâtiment. Donc, logiquement, vous avez 8 blocs d'un côté et 8 blocs de l'autre. Voilà, c'est ça. Et une fois que vous avez creusé votre porte comme ceci, hop, vous faites le tour de la porte et vous allez faire l'encadrement en laine violette. Parfait. Ensuite, on remonte un petit peu et là, pareil, en plein milieu, donc de la continuité de l'emplacement de la porte, nous allons, hop, comme ceci, faire un espèce de barreau comme ceci en laine violette toujours. Et pour finir, nous allons mettre un bloc de chaque côté. Voilà. Donc là, c'est vachement, comment dire, hop. Pardon. Voilà. Nickel. C'est vachement réaliste. Pardon, j'ai un petit bug de. J'étais un petit peu dans la lune, on va dire. Enfin bref. Du coup là, hop, un bloc en diagonale ici, un bloc en diagonale ici. Et on refait pareil, on fait une ligne de 3 comme ceci, une ligne de 3, hop là, comme cela. Et à l'issue de celle-ci, on refait un espèce de barreau comme ceci. Et comme cela, tac tac, hop là. Et pour terminer, on va faire une petite diagonale qui retourne dans l'angle comme ceci. Hop, pour faire un petit peu les barreaux, un petit peu pareil. Bah écoutez, quand on en est là, c'est déjà pas mal. Hop, je vais prendre de la laine rose maintenant. Donc vous en prenez également. Et juste au-dessus de la porte, hop, nous allons faire un rectangle de 2 par 5, comme ceci, voilà. C'est parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, nous allons avoir besoin de fil. Enfin, de ficelles et de tapis violet. Donc, une fois qu'on a nos ficelles, je vous avais déjà montré dans un live cette petite technique. Donc, hop, vous allez poser toutes vos ficelles comme ceci, au premier bloc du rectangle rose. Bah, vous le faites à droite également, hein, à gauche comme à droite. Et une fois que vous avez fait votre ficelle, vous posez les tapis par-dessus, en visant le bloc de la ficelle. Donc comme ceci, comme je suis en train de faire, tac, et voilà, ça donne un petit peu de relief. Et on refait pareil, bien entendu, au dernier étage. Donc vous voyez juste ici, hop, vous visez le dernier bloc de la construction, et puis dès que vous avez fait ça, bah, vous en mettez tout le long, puis vous recouvrez de tapis tout bêtement. Hop, parfait.
Eh ben écoutez, là on a déjà bien avancé. Maintenant nous allons faire les fenêtres. Donc les fenêtres, vous prenez des vitres vertes et des vitres rouges. Et une fois que vous avez sélectionné celle-ci, vous allez hop casser comme ceci 5 blocs de façon à ce qu'il en reste un avec l'encadrement de la porte et un avec le mur. Une fois que ceci est fait, bah, vous le faites à droite également. Hop. Vous cassez vos 10 blocs et après vous en placez un. Vous placez un bloc de n'importe quelle couleur, soit vert, soit rouge, tous les un bloc comme ceci afin de former un damier. Vous le faites également à gauche. Hop. Parfait. Et on remet les vitres rouges comme ceci. Voilà. Donc là, la taverne avance très très bien. Ensuite, il va y avoir le toit à faire, vous voyez. Donc dorénavant, on peut déjà positionner nos petits tapis comme ceci. Hop là. Et on va le faire tout le tour, ceci, hein, bien entendu. Tac. Hop. Donc ensuite, vous le faites également de ce côté. Ouais, forcément, faut pas se louper en posant les tapis. Tac. Ensuite, on le fait de ce côté, hein. Vous faites bien entendu tout le tour de la construction. Hop. Et on termine par ce côté. Parfait. Du coup, le toit du dessus, il est en stone. Donc vous prenez de la stone, tac, et vous recouvrez tout ceci, hop, comme ceci. Vous le recouvrez entièrement afin d'avoir notre toiture. Donc c'est parfait, nous avons fait notre toiture. Maintenant nous allons faire, enfin nous allons finir plutôt la devanture. Donc vous allez prendre une porte, hop, et les bannières en lettres. Pour les bannières en lettres, je vais vous laisser un lien dans la description. Et c'est une vidéo qu'un anglais a fait, en quelque sorte il explique. Vous avez juste à faire comme ce qu'il fait dans la vidéo pour faire la lettre correspondante. Donc c'est très très simple, franchement. Donc n'hésitez pas à y aller, comme ça sera beaucoup plus réaliste qu'avec des pancartes. Après bah, vous pouvez toujours faire en pancarte si vous le désirez. Mais vous voyez que là ça rend vraiment très très bien. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est dans la description. Et puis vous terminez par mettre la porte tout simplement. Parfait. Donc là notre taverne est très 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 ressemblante. Donc pour ceux qui souhaitent continuer encore le tuto, nous allons faire le toit. Donc après j'avais fait le toit à peu près comme il l'était dans mes pensées. Je ne l'ai pas exactement reproduit à la lettre non plus. Donc déjà vous allez prendre des murets, des barreaux de fer, des tapis gris et de la laine grise comme ceci. Et nous allons faire notre petit aérateur. Je sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais en tout cas je l'ai fait. Donc là, hop, vous venez sur le toit, vous fixez à un bloc du bord du devant. Et là, vous allez, hop, les... Oh là là, je fais n'importe quoi. Vous allez faire comme ceci, un rectangle de 3 par 5. Hop, pas un de plus. Il me semble que c'est 5, hein, oui, c'est ça. Et après, vous allez tout simplement mettre vos barreaux de fer comme ceci. De la laine, une nouvelle fois, comme cela. Hop. Et puis après, nous allons prendre nos tapis gris, hop, et nous les posons comme ceci et comme cela. Et après, on termine notre petite box comme ceci, et hop, là, on repose comme cela. Et on va mettre des murets comme ceci, et puis nous mettons encore des tapis tout autour de ceci. Hop, voilà. Parfait, du coup bon, on peut continuer. Nous allons maintenant faire ceci en premier, je pense. Du coup vous enlevez ce qu'on vient de prendre pour faire l'aération. Et maintenant nous allons faire comme un petit Velux, comme je sais pas trop ce que j'ai voulu faire encore une fois. Enfin bref, hop, vous prenez de la pierre taillée, du verre bleu clair et des demi-dalles de pierre taillée. Donc là on est à 5 du bord et 1 du bord par ici. Donc là hop, vous allez derrière. Voilà, sur le mur derrière. Et là vous allez vous décaler de 5 comme ceci et de 1 par rapport au mur là. Donc là 5 blocs ici et 1 bloc ici. À partir de ceci, vous allez poser comme cela des blocs. Là 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 4, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Non, oui, c'est 5.
Donc là, vous allez poser 5 blocs de vert clair, de vert bleu clair, pardon. Et hop, ici, pareil. Voilà, de façon à avoir une sorte d'escalier. Donc là, nous allons avoir les dalles de pierre taillées qui vont venir, hop, couper le rythme pour afin de redescendre par l'autre côté comme ceci, en forme d'escalier toujours. Hop, et hop, parfait. Donc là, on replace nos murs de pierre taillées et le boulot est fait. Parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la petite porte là. Donc hop, vous gardez les dalles de pierre taillée et la pierre taillée. Il y a des escaliers, j'avais pas fait attention. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire tout simplement la petite porte qui mène à pas grand chose. Elle mène au restaurant, c'est juste pour aller au-dessus en quelque sorte. Et après vous rebasculez dans le restaurant. Donc j'avais aménagé l'intérieur, mais vous me connaissez en vidéo. Je ne fais pas trop les intérieurs. Hop, hop là. Comme ceci, on va y arriver. Donc, je résume, pierre taillée, demi-dalle, porte en bois de chêne, ainsi que les escaliers en pierre taillée. Donc, vous voyez qu'on est situé à un bloc comme ceci, donc là, sur une profondeur de 3. Hop, vous allez comme ceci, hop, à deux blocs comme ceci, de ce qu'on vient de faire en comme une petite fenêtre. Hop, un bloc là, et sur 3 de profondeur comme ceci. Là, vous placez vos escaliers de pierre taillée. Hop là. Derrière, on fait pareil comme ceci en les faisant tourner. Parfait. Et on termine avec les dalles de pierre taillée comme ceci. En mettant une petite porte comme cela. Voilà. Bah écoutez, je crois que le tuto est terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Et puis on va terminer sur les petites fenêtres latérales ici qu'on a failli oublier. Donc vous reprenez votre vert rouge et vert avec la laine violette. Et on va aller de l'autre côté. Donc là vous voyez que c'est une fenêtre de 2, de 3 et de 2. Donc très très simple. Hop, vous venez ici. Comme ceci, on se décale à 2 du bord. De là, hop, une fenêtre là-dedans. 2, hop, hop. Là, une fenêtre de 3. Un mur porteur, on va appeler ça comme ça. Et hop, une dernière fenêtre ici. Un bloc tous les deux. Et le travail est fait. Hop, le tour est joué. On peut dire ça comme ça. Et hop, la dernière fenêtre. Parfait. Et ben voilà. Écoutez, moi je trouve ce bar très réaliste, surtout avec les lettres comme ceci. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir le tuto une fois de plus dans la description, c'est très simple, vous regardez la vidéo, vous allez, c'est classé par ordre alphabétique, hein. Donc vous allez dans la vidéo, vous allez sur la lettre qui vous chante, et vous faites exactement ce qu'il fait dans la vidéo, puisqu'il n'y a pas de voix, il faut juste faire comme le monsieur est en train de faire. Donc c'est très très simple et très réaliste, beaucoup plus que des panneaux en tout cas. Ben voilà, écoutez, on a un très beau bar de mots là, il est vraiment sympathique comme tout. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper la suite de notre aventure. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao bye tout le monde, c'était Kérose.